Ah, ouais, bah tiens, prends la mienne. Ouais, merci. On doit pas, mon ça fait du bien. Non, Sarah, t'allonge pas. C'est quand même pas super propre. Allez, au boulot. C'est quand même marrant. Depuis tout ce temps, t'étais jamais rentrée dedans. Jamais. À part l'accueil et ton bureau, j'ai pas vu grand-chose. Et je pourrais voir l'armurerie. Et à l'interrogatoire derrière la vie de Santin. T'es en troisième. C'est un stage d'une semaine, pas l'école de police. Allez, papa, je serai sage. Et je pourrais suivre une équipe, genre les stupes ou les mœurs. On va y aller mollo, Sonny Croquette. Commencez par le début. Attends, franchement, si je me retrouve derrière un bureau, c'est abusé. Il y a peut-être une solution. La BHR. La brigade hors rang. La BHR ? Non, pas question, pas ma fille. Ah, si, si, c'est genre ceux qui font des trucs de ouf. Bon, allez, va m'attendre dans mon bureau, je m'occupe de ton affectation. La BHR. Et là, t'es en quoi de son stage, exactement ? L'immersion dans la réalité du quotidien de la police. On n'a pas déjà assez entre ta vie professionnelle et tes séries télé ? C'est son idée au départ, et j'avoue que je trouvais ça vraiment sympa. Plus maintenant ? Ah, ce matin, quand je l'ai vue ici, c'est devenu réel. J'ai pas l'air comme ça, mais je fais attention à ce que je ramène à la maison, ce qu'elle voit de mon travail. Là, elle va être livrée elle-même. T'inquiète pas, à la BHR, il lui arrivera rien. C'est beaucoup plus solide qu'on ne croit, les enfants. Pardon. 1-0. Bien joué, petit scarabée. Capitaine Briard. Bonjour, capitaine, c'est Stéphanie. On a un cadavre. Homicide ? J'en sais rien, déjà que c'est pas encore là. Le corps a été trouvé flottant dans le Rhône. Des étudiants ont décidé de le ranimer, mais en vain. Elle s'appelle Anaïs Medeiros, 24 ans, étudiante en médecine. Morte la nuit dernière à 5h24. 5h24 ? Et comment vous pouvez avoir une heure aussi précise ? La fille a appelé le 17 et ils ont enregistré ses derniers instants. Très bien. Elle a passé journée très longtemps dans l'eau. Je dirais moins d'une heure. Elle a été assommée ? Difficile à dire. Compliqué avec les noyés de savoir si ça date d'avant ou d'après l'immersion. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Un bateau qui passe, un coup d'hélice, une mouette qui les colle. Et comment vous expliquez qu'elle n'ait pas coulé ? Son appareil est étanche, bien fermé et emprisonné de l'air. Quand même voué, quoi. Aucune trace de son téléphone portable ? Probablement au fond de l'eau. Ce sont les collègues du 17 qui ont fait le lien avec l'appel qu'ils ont reçu tout à l'heure. Avec le courant, elle aurait pu remonter jusqu'à Givors, Grigny, la victime. Stéphanie, vous me récupérez les photos prises pendant la soirée. Les jeunes, ça m'étraille tout le temps. Et pour l'enregistrement, shérif et moi... Qu'est-ce qu'il fait encore ? Shérif ! Capitaine ! Vous m'expliquez ce que vous faites ? Il vous intéresse pas, ce cadavre ? Moins que celui qui l'a assassiné. Vous avez entendu de Jacques, si ça se trouve, c'est un accident ou un suicide, avec tout ce qu'il boit en soirée. On va écouter l'enregistrement et... C'est un meurtre. Venez. Le sang qui a coulé de sa plaie a été nettoyé par l'eau. Il n'y a pas de traces, sauf sur son col. Il a eu le temps de coaguler. Un, elle a pris un coup. Deux, elle est tombée à l'eau. Et vu que le coup a dû l'assommer, elle n'a pas plongé toute seule. Non ? Comme elle a resté peu de temps dans l'eau, la scène de crime est forcément tout près, en amont. Alors, comment on fait ?
Le premier qui trouve est dispensé de paperasse. On n'avait pas dit uniquement les endroits faciles d'accès ? Occupez-vous de votre parcelle, vous. J'ai pas besoin d'aide. Capitaine ! C'est vous ? Oh, Baudemont, faites un effort, quoi. Eh quoi, ça fait 3 heures que je suis là, j'ai droit à une pause, moi, hein ? Stop ! Oh, pas de plus. Ah non, mais attendez, avec Baudemont, là, ça annule le pari. Un pari ? C'est quoi, le pari ? T'occupe. Va dire à Stéphanie que j'ai trouvé la scène de crime et faites les prélèvements. Alors, on va se l'écouter, cet appel au 17 ? Allô, police secours, j'écoute. Bonsoir, je m'appelle Anaïs. Allô, mademoiselle ? Elle compose le 17, mais n'a pas l'air paniquée, en fait. Plutôt déterminée, même. Donc elle s'attendait pas à se faire agresser ? Non, mais il y a forcément un lien entre son coup de fil et sa mort. Elle appelle plutôt que d'aller chercher l'aide sur la péniche. Mais on l'empêche de finir et on la tue. Faut comprendre ce qu'elle a vu. Peut-être que le sang par terre est pas le sien. Peut-être. C'est qui les deux zigotos à l'accueil ? Hugo Clarin et Manon Le Sueur, le couple avec lequel Anaïs est venue à la fête. Vous prenez le doc et moi Miss Doubtfire. C'est pour fêter la fin des examens, on a passé l'internat la semaine dernière. Ça veut dire la fin de vos études ? Bah, un an de révision, 12 heures par jour. Juste la pire période de ma vie. Et Anaïs, c'était difficile pour elle ? C'était de bosser seule qui était dur pour Anaïs. Vous étiez amis ? Non, pas vraiment. Elle révisait à la bibliothèque et puis nous aussi de temps en temps, alors ça s'est fait tout seul. Et ça s'est bien passé ? Oui et non. Niveau relationnel, c'était pas trop ça. Disons que c'était notre locomotive. Elle était omnubilée par l'internat et terriblement douée, alors on n'avait plus qu'à suivre et à s'accrocher. Et vos soucis relationnels avec elle, il y a un lien avec Hugo ? Parce qu'Anaïs était plutôt jolie. Non, non, je suis pas jalouse. Puis vous savez, Anaïs, c'est pas trop le genre d'Hugo. C'est quoi le genre d'Hugo ? Moins coincée. Moins petite fille modèle. Anaïs, c'est une fille de la haute. Son père a une énorme entreprise de BTP dans le Nord, à côté de Lille. Elle devait appeler sa mère tout le temps leur rendre des comptes. C'est important d'avoir le soutien des parents dans cette période-là. C'est pour ça que moi, je suis retourné vivre chez eux. Comme ça, j'ai pas besoin de m'occuper de la nourriture, du ménage, juste à réviser. Et Anaïs et Manon ? Bah, Manon vivait quasiment à la maison. Anaïs venait que pour réviser. Elle a eu un comportement bizarre, la fête. Pas tant que ça. Elle était tendue, elle parlait beaucoup de l'examen. Moi, j'avais juste envie tout oublier. Ça faisait un an qu'on parlait que de ça. Maintenant, c'était fini. Je peux vous poser une question ? Je vous en prie. Vous pensez qu'elle s'est suicidée ? Pourquoi vous pensez ça ? Je sais pas, Anaïs était angoissée. Peut-être qu'elle avait peur de l'échec. En plus, elle voulait être radiologue. Comme le beau-père d'Hugo. Et ça, il n'y a que les premiers qui peuvent choisir. Alors vous imaginez bien que ses résultats, c'était toute sa vie. C'est pas votre cas ? Si. Mais elle allait trop loin. Elle prenait des somnifères depuis des mois et des trucs aussi pour se doper la mémoire. Moi aussi, j'ai envie de réussir encore plus qu'elle. J'ai sacrifié une année entière de ma vie, mais pas ma santé. Il nous faut l'autopsie. Savoir ce qu'elle prenait. Vu son profil et sans son appel au 17, je pourrais croire au suicide ou à l'accident, mais là... 2-0. Capitaine Briard ? Quoi ? Ok. Il y a eu un cambriolage chez Anaïs. C'est pas vraiment le genre d'endroit où je pensais trouver une fille de PDG. Pour eux aussi, c'est la crise. Capitaine, les voisins ont été alertés par du bruit. Ils sont descendus, mais trop tard. Quand c'est proche de toi, évidemment, t'es moins pressé. Bref, la chambre a été vidée et en s'enfuyant, le voleur a laissé ça. Une description du voleur ? Non, juste qu'il a une Honda Civic bleue. Stéphanie est en train de recueillir les dépositions. Les cours d'Anaïs ? Pas étonnant qu'il a abandonné ça. Ça doit peser un âne mort. Mort dans la nuit, cambriolé le matin ? Je crois pas au hasard. Celui qui est venu ici savait qu'elle n'y était pas. Et pourquoi tout prendre ?
Moi, c'est Kader, pas Sherlock. Quoique, quand jugé par la ressemblance, c'est sa mère. Vous voyez, tour derrière, c'est Montsuit, à 10 km de Lyon. Pas non plus genre de banlieue où un PDG habite. Son père? Oui. Vu ses vêtements, Anaïs a menti aux autres étudiants. Sa famille n'est ni riche ni à Lille. Non. Tu t'es bien foutu de moi. Quoi? Franchement, la brigade Oran, merci. Attends, c'est toi qui as assisté, Sarah. Bah attends, avec un monde pareil, moi je croyais que c'était une équipe qui allait sur le terrain. Bah, c'est un peu ça, non? Papa, j'ai passé ma matinée à sortir les poubelles et à porter des archives. C'est ça que tu veux que je vois de ton boulot? Sarah, mollo. C'est bien que tu veuilles tout découvrir, mais t'es en troisième, c'est pour une semaine. Et il y a pas mal de trucs que tu peux pas faire. Bon, on va te mettre au service du personnel. Sans deck, y'a rien d'autre? Sarah. Ok, ok, le service du personnel. Bon, va voir Doucet, c'est lui qui doit t'y emmener. D'accord. Madame Medeiros? Bonjour. Capitaine Shérif, c'est moi qui vous ai convoqué. Venez avec moi. Venez, on va aller se mettre au calme. Des examens, Anaïs était différente. Moi, je pensais que c'était le contre-coup. Parce que. Elle a eu une année difficile. Vous étiez très proche d'elle. C'est mon seul enfant. Vous avez dit qu'elle était différente. En quoi? Elle s'est mise à moi m'appeler. Vous pensez qu'elle vous cachait des choses? Oui. Mais c'est normal, à son âge. Et puis, elle s'est mise à se disputer de plus en plus souvent avec son père. Pour rien. Vous pouvez me dire ce que vous et votre mari faites dans la vie? Je suis femme de ménage. Et mon mari est conducteur de machine. Et vous habitez à Montsuit? Oui. Votre fille faisait croire que vous habitiez à Lille et que votre mari était PDG d'une grosse entreprise. Je comprends pas. Pourquoi elle faisait ça? Je ne sais pas. Peut-être elle avait honte de nous. Vous ne connaissez personne qui lui en voulait? Non. Et quelqu'un qui possède une Honda Civic bleue? Oui. Mon mari. Et pourquoi? Merci Baudemont, on vous attend au bureau. Ils arrivent, il vient de trouver le père chez lui. Il était censé être sur un chantier à Grenoble, il n'y a pas mis les pieds depuis une semaine. Quant à sa voiture, aucune trace. J'ai lancé un avis de recherche, on verra bien. Il ment à sa femme, cambriole sa fille. Quoi? On n'est pas là dans votre assiette ce matin. Vous m'avez pas encore engueulé. Écoutez, franchement, shérif, interrogez les témoins tout seuls chez vous sur la pardieu, puisque vous fichez de mon avis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous prive de télé pendant un mois? Une fessée? Moi, la fessée, je suis pas contre. Hein. Alors, Toubib, votre diagnostic? Oui, la victime prenait des somnifères et autres antidépresseurs. Oui, elle avait bu. Non, pas dans des quantités qui justifieraient une perte de contrôle. Et le sang par terre? C'est le sien. Donc c'est un meurtre? Oui, mademoiselle. Elle se fait tuer, puis son assassin jette son corps à la flotte? Non, monsieur. Elle avait de l'eau dans ses poumons. Elle s'est noyée. Elle était bien vivante quand elle était jetée à l'eau. Alors, fessé ou pas fessé? Qu'est-ce que je fais là? Ma fille a été assassinée. Vous m'arrêtez? Comment vous avez appris la mort d'Anaïs? Ma femme m'a appelé ce matin. Sur votre chantier à Grenoble? Ce matin, vous êtes allé dans l'appartement d'Anaïs et vous avez pris une partie de ses affaires. Ma fille est morte. J'ai le droit de récupérer ce qui lui appartient.
Non. Certainement. Pourquoi la cambrioler? Vous étiez drôlement pressé. Où est votre voiture? Vous n'avez pas travaillé la semaine, vous étiez où exactement? Monsieur Medeiros, faut nous aider, là. Elle vous détestait, hein? Quoi? Elle finissait ses études, devenait une femme indépendante, et puis vous n'aviez plus de nouvelles d'elle que par votre femme. Qu'est-ce que vous en savez? Tous les pères se ressemblent. Alors qu'est-ce qui vous énervait le plus? Ses provocations? Ses silences, sa réussite? Votre femme nous a parlé de vos difficultés avec Anaïs et de vos disputes. Disputes? Vous étiez à deux doigts de la frapper. Vous êtes demandé pourquoi vous aviez tant donné toutes ces années pour en arriver là. J'aimais ma fille. Je voulais qu'elle réussisse. Pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire pas à n'importe quel prix. Qu'est-ce que vous savez sur elle? Pourquoi vous êtes allé dans son appartement? C'est rare de vous voir sortir de vos gonds. Je peux recommencer. C'est quoi, la future de Medeiros? Ouais. Parking à côté de l'hôpital où bossait Anaïs. Et là, restaurant, à côté de chez elle. Et idem sur toute la semaine. Il la suivait? Ou bien il était avec elle. Et il prenait qu'un plat pour deux. Bien vu. Hyper agressif. Impulsif, et il lui en voulait. Il faut comprendre ce qu'il a pris chez elle. On n'a rien trouvé à leur domicile. Il a dû tout planquer dans le coffre de sa bagnole. Et vu le peu qu'on a contre lui, il lâchera rien. Il y a peut-être un autre moyen. Oui, shérif à l'appareil. Oui, monsieur le directeur. Non, son poste, c'est le 27. Je vous la passe? C'est monsieur le directeur général de la police, votre père. Non, désolé, elle n'est pas là. Je peux prendre un message? Pas de message. On est le combien aujourd'hui? Le 29. Bon, votre idée pour retrouver la voiture du père d'Anaïs? Oui, venez. Vous le laissez partir? Heureusement. Oui. Quel canal? D. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Allez, viens. Capitaine. On est à l'autre bout de la ville. On doit plus être loin de la voiture. Scooby-Doo à Samy, Scooby-Doo à Samy. Vous devez avoir la cible en visu. Salut Scooby-Doo, on a la cible en visu. À vous de jouer. Bien reçu. National, bonjour. Permis et carte grise, s'il vous plaît. Merci. Ça a l'air en règle. La route secours, elle est gonflée? Oui, évidemment. Elle est où? Dans le coffre. Vous nous montrez, s'il vous plaît? Voilà, ça vous va? Alors, tout se passe bien? Nickel. Foutez-moi la paix, lâchez-moi la faim! Touchez pas ça, hein! Vous n'avez pas le droit! Pas le droit de toucher un sac qui se trouve sur la voie publique? Si. Ravi de t'avoir rencontré. Merci pour cet instant. Hâte de te retrouver.
passé une super nuit. Vous êtes content, hein? Anaïs se prostituait, c'est ça? Plusieurs fois, on l'a surprise en larmes chez nous. Ma femme disait que c'était le stress du concours. Tenez. Merci. Je la connais, c'était pas ça. J'ai essayé de parler avec elle, mais elle voulait rien me dire. C'était la semaine dernière? Non, bien avant. Comme ça durait, je pensais qu'elle avait des problèmes d'argent. Les étudiants sont payés que dalle pour leur stage. Elle avait pas de bourse? Elle est fille unique. Alors on était juste au-dessus des critères. C'est débile. Et c'était des problèmes d'argent? Non. Non, j'ai appelé la banque, je les connais bien, ils m'ont dit que ça allait. Depuis 4 mois, il n'y avait plus de rentrée, mais avant, il y avait des revenus réguliers. 2000 euros par mois, environ. En liquide. Et ça vous a paru suspect? Ouais. Mmh. Alors j'ai essayé d'en parler avec elle. Ça l'a rendue agressive. C'était ça, notre dispute. Moi, je voulais comprendre. Alors j'ai appelé le magasin où Lisa fait un mi-temps. Elle y bossait plus depuis 3 ans. Alors vous l'avez suivie toute la semaine? Le soir, je l'ai vue avec un homme dans un restaurant. Il avait mon âge. Il l'embrassait. Il la touchait. Elle se laissait faire. Ça aurait pu être un petit ami. Le type avait une alliance. Je sais pas, c'était une intuition. Quand j'ai su qu'elle... elle était morte. Je suis allé chez elle. C'était vrai. Il faut surtout pas que ma femme la prenne. Ni personne d'autre. C'est pour ça que j'ai pris toutes ces affaires. S'il vous plaît, jurez-le-moi. Je vous cache pas que ça va être difficile, monsieur Medeiros. Si son assassin est un client, il faut qu'on enquête dessus. Un client? Mais vous pensez? Non, c'est rien. Non, c'est juste une piste. Ça veut dire que si elle n'avait pas couché avec ce type pour de l'argent, elle serait encore vivante. Si j'avais pu lui payer ses études... Un peu de place? Quoi? Tu me fais un peu de place, s'il te plaît? Merci. Sarah, tu peux me dire ce qui se passe? Et où je te parle? Et quoi? Tu vas me sortir ta tirade sur le respect d'autrui? Tu savais que ça me faisait kiffer de faire ce stage. Attends, je t'ai jamais menti. Tu t'es monté la tête toute seule avec des cadavres, des scènes de crime, des filatures et je sais quoi. C'est bien ça ton travail, non? Même si tu m'en parles pas, je suis pas débile. Sarah, c'est différent. C'est mon métier. Bah justement. Moi, je croyais que mon stage, c'était pour découvrir ton métier.
J'ai fait une recherche à partir de certains mots que laissaient les clients. Et les clients croyaient qu'Anaïs s'appelait Lisa. Alors je suis remontée jusqu'à son site internet. Elle faisait très attention à son anonymat. Pas de visage. Le numéro de téléphone qu'elle laisse sur le site est celui d'une carte prépayée. Et l'email est différent de son mail perso. Des échanges de mails? Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Adeline, vous savez si... Enfin, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Anaïs travaillait très peu. Elle était très belle pourtant. Mais c'était un choix, parce qu'elle avait des dizaines de demandes. Elle se débrouillait toujours pour faire qu'une ou deux nuits par mois, et pas toujours consommer, si j'en crois certains messages. Et ses clients? Riches et éduqués. Elle triait. Et celui-là pourrait bien être notre gagnant du jour. Napoléon. Un pseudo. Anaïs a tout arrêté pour Élisée. Il n'a pas apprécié, le ton est monté par mail. Mais le truc bizarre, c'est qu'ils se connaissaient. Comment ça? Et il l'appelle Anaïs et pas Lisa. Il sait qu'elle passe l'internat, il sait même où elle vit. Et il la menace de révéler sa double vie si elle met fin à leur relation dans le genre agressif. Et il a un vrai nom, ce Napoléon? Pas pour l'instant, mais dans un mail d'il y a 2 ans, il laisse son numéro de portable. Et le numéro appartenait au parc téléphonique de l'hôpital Édouard Herriot. J'ai retrouvé les factures. À cette époque, c'est le portable du professeur Berrier. Il travaille encore au CHU? Il dirige le service de radiologie. À ce temps-ci, il ne sera pas encore arrivé. Eh ben, on va l'attendre. Merci beaucoup. Sarah me facilite pas la vie en ce moment. On s'est mal compris sur son stage. Elle est déçue et je suis déçu qu'elle soit déçue. S'imaginer quoi? Des services de nuit avec la bac? Au moins ça, oui. C'est à peine une ado. Puis c'est de moi aussi dont on parle. Si vous aviez une fille, voudriez-vous qu'elle vous voit en action? Ça dépend. Exactement, ça dépend. Vous voyez, quand j'ai quelque chose qui m'ennuie, j'en parle à ma partenaire. Je garde pas tout pour moi. Très subtil comme approche, shérif. Fille. On n'en sait rien, encore. Comment vous avez eu son identité? C'est avec lui qu'elle était le soir où je l'ai vue. Je l'ai suivi. Et quand vous avez dit hier que c'est un client qui avait fait le coup... Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous risquez? Vous pensez à votre femme? Elle aussi a perdu sa fille. Vous croyez qu'elle a envie de vous voir prendre 20 ans de réclusion? Et vous aviez des rapports avec elle? Et vous lui donniez de l'argent? Oh, je vais pas vous raconter ma vie. On était amants, alors forcément, oui, ça m'est arrivé de lui prêter de l'argent. J'ai lu vos échanges de mails. Ah oui, alors si vous êtes au courant de tout, pourquoi vous m'emmerdez? Parce que je vous inculpe de meurtre. Mais c'est n'importe quoi. On s'aimait, alors je vois pourquoi je lui ai fait du mal. Et vous ne l'auriez jamais menacé? Mais vous savez bien que si, c'était désespéré, voilà. Je voulais pas la perdre. Et pour la garder, vous menacez de révéler sa double vie, sauf qu'elle tient bon, et vous menace à son tour. Et là, vous n'avez plus vraiment le choix. J'ai rien à vous dire. J'étais avec ma femme la nuit où elle est morte, alors foutez-moi la paix! Parce que vous croyez que je vais en rester là, mais vous êtes un cliché. Combien de fois vous lui avez promis que vous allez quitter votre femme pour elle? Au moins, elle a eu l'intelligence de ne jamais vous croire, elle prenait votre fric et basta! Vous laisserez pas salir notre histoire! Refusez de parler, c'est votre nom en première page des journaux. Je vais briser votre vie comme vous avez brisé la sienne. Allez-y, aggravez votre cas. Chiche. De toute façon, elle est morte. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma vie, mon boulot, mon fric? J'en ai rien à foutre de tout ça. Je m'en voudrais pas si je pense plutôt à Anaïs, à son père et à sa mère. Putain, mais je vous jure que j'y suis pour rien.
Alors reprenons depuis le début, monsieur Berrier. Comment vous l'avez rencontré? J'ai entendu parler de Lisa sur un forum spécialisé. Il disait qu'elle travaillait peu, alors j'ai tenté ma chance. C'est après que j'ai compris qu'elle était à l'université. Donc vous reconnaissez être un client? Oui, enfin non, très rapidement, elle a pu voulu de mon argent. Elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais je voulais pas qu'elle envoie d'autres, je le supportais pas. C'est pour ça qu'elle a mis fin à votre relation? Non, c'est à cause de Hugo. Hugo Clarin? Le fils de ma femme. J'ai beaucoup parlé à Anaïs du groupe de travail de Hugo et Manon, et comme quoi c'était très compétent. Et... Donc elle s'est mise à réviser avec eux. Elle venait à la maison tous les jours. Elle a rencontré ma femme, ma fille. Ce qui était loin d'elle est devenu bien réel. C'était quelqu'un d'honnête. Elle l'a pas supporté. Pourquoi l'avoir revue il y a deux jours alors? Une fois que les examens étaient terminés, je me suis dit que notre histoire allait recommencer. Mais elle a très vite mis fin au repas sans que je puisse comprendre, d'ailleurs. Et vous n'avez plus de nouvelles? Je sentais qu'elle voulait me dire quelque chose. De toute façon, je ne saurais jamais ce que c'était. S'il te plaît, Max. Il faut vérifier son alibi. Il a un double mobile. Déception amoureuse et protection de sa réputation. Et interroger la femme et le fils, parce que s'ils savaient pour Berrier et Anaïs, ça leur donne un excellent mobile. Commence par lequel? Le fils, Hugo. Mais Sarah, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment lui qui a tué la fille? Il va être condamné? A priori, non, il a dit la vérité. Accessoirement, t'as rien à faire là. Je comprends pas. On aurait dit que tu voulais le détruire pour de vrai ou qu'il te frappe. Ça fait partie parfois de mon métier. D'harceler un innocent? Un suspect. C'est ce qu'il était au début de l'audition. On parle d'un meurtre là et d'un coupable qui court encore. Et ça, ça te donne tous les droits? Évidemment que non. Mais tu comprends bien qu'on capture pas un meurtrier sans jouer d'égal à égal, alors parfois faut tenter quitte à se planter. Je préférais que ce soit plus simple, je t'assure. Je t'avais jamais vu comme ça. Et tu n'aurais jamais dû. Salle d'audition n'est pas une place pour une fille de 14 ans. 15. Ça change tout. Je vais aller voir Doucet pour arrêter son stage. C'était pas une bonne idée depuis le départ. Puis c'est n'importe quoi que de la laisser dans cet endroit sans surveillance. Faut un peu d'ordre, quoi. Et puis un hôtel de police, c'est un moulin. Ouais, c'est bon, tu marches. Il y a de l'eau dans le gaz, on dirait, entre le doc et Miss Loopfire. Bonjour Hugo, on peut vous parler? Ouais, c'est un peu compliqué, j'ai mes visites pour commencer. On en a pour 5 minutes. Quels étaient les rapports entre votre beau-père et Anaïs? Ils s'étaient rencontrés chez moi pour la révision, pourquoi? En fait, le professeur Berrier... Anaïs connaissait aussi votre mère, n'est-ce pas? Oui, mais quel rapport avec sa mort? Elle se comportait comment avec elle? C'est quoi ces questions? Anaïs était une bosseuse, pour mes parents, il n'y a que ça qui compte. Je sais pas si ça peut vous aider, mais Anaïs était un peu mytho. Ah oui? À propos de quoi? Sur ses origines. Son père est pas un chef d'entreprise. Vous étiez au courant? Comment? Par un de ses amis, un petit dealer. Un mec un peu agressif, une petite frappe de son quartier. Qui l'a dragué plus ou moins. Le soir de la fête, il était là. Et pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Je sais pas, moi je pensais que c'était un accident ou un suicide. Pas qu'on l'avait tué. Il s'appelle comment, ce type? Jérémy. Jérémy Collet. Il habite à Montsuit. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci de ne rien avoir dit sur Berrier et Anaïs. Je vois pas pourquoi on le protège. C'est pas Berrier qu'on protège, c'est la mémoire d'Anaïs. Son père nous l'a demandé. Je sais que vous l'appréciez pas, mais merci. Je supporte pas les pères intrusifs dans les choix de leur fille, quels qu'ils soient. Vous dites ça pour Sarah et moi? Ah non, 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 je pensais au mien en fait. Je suis désolée si vous l'avez pris pour vous. Il vous a encore téléphoné? Mon père m'a pas parlé depuis le décès de mon frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort, le premier depuis que j'ai quitté Paris. C'est de sa faute s'il s'est suicidé.
C'est bon, j'ai l'adresse du type. Jérémy Collet, il était au lycée avec Anaïs. Pas très doué pour les études, interpellé plusieurs fois pour usage de drogue, mais pas de casier. J'espère que ça mènera quelque part. J'ai vérifié l'alibi des Berriers mariés femmes. C'était une conférence avec une centaine de témoins. Bonjour. Capitaine Shérif, qu'est-ce qui s'est passé? Overdose. Il va s'en sortir? Je sais pas, il a pris de la morphine, là. Il y a de quoi tuer un cheval. J'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard. Allez, les gars, on remballe. Appelez l'auto. Quand vous l'avez trouvé, il était seul? Non, il y avait le garçon là-bas. C'est lui qui nous a appelé. Merci. Shérif? Oui. J'ai trouvé le portefeuille. C'est bien, Jérémy. Vous le connaissiez? Il va mourir. Je ne sais pas. Quel état il était quand vous l'avez trouvé? Il bougeait plus, il y avait de la bave qui coulait. J'ai déjà vu des camés, mais c'est pas lui, ça. Comment ça? Franchement, il fumait, mais jamais il se serait piqué. J'ai trouvé un portable. C'est peut-être celui d'Anaïs? Ouais. Vous connaissez cette jeune fille? Ouais, c'est une copine de Jérémy. Il vous a parlé d'elle récemment? Ouais, carrément, il était flippé. Ils avaient fait un deal ensemble, elle voulait le dénoncer. Quel genre de deal? Je sais pas. Très bien. Je vous remercie. Alors l'hôpital a dit quoi? Jérémy Collet est dans le coma. Ils savent pas s'il va se réveiller ni dans quel état. Enfin, si le portable qu'on a retrouvé dans sa voiture est bien celui d'Anaïs, le dossier est presque clos. Oui, manque plus que le mobile. Pourquoi elle voulait le dénoncer? Drogue. Il était convoyeur pour ATST, société de transport de fonds. Ça m'étonnerait qu'il se soit payé sa voiture uniquement avec son salaire. Ça vient bien de l'hôpital. Alors peut-être qu'Anaïs volait les médicaments et qu'il les revendait. Sauf que ça colle pas. La prostitution était déjà un sacrifice pour elle. Je l'imagine mal faire du recel. Et du côté de ATST? Stop. Regardez, il travaille avec le Conseil supérieur de l'enseignement. Et alors, c'est quoi votre idée? Oui, bonjour, capitaine Shérif de la PJ de Lyon, je voudrais parler au directeur. Oui, capitaine Shérif, dites-moi, je suis devant votre site web, vous travaillez avec l'éducation nationale. Vous pouvez me dire dans quel cadre? Et en médecine? Merci, au revoir. C'est eux qui transportent les sujets d'examen d'internat. L'équipe de Jérémy était chargée du stockage des sujets. Une semaine avant l'examen, un recomptage est fait. Un exemplaire est ouvert par huissier, puis détruit. Jérémy a dû réussir à le photographier avant. Il le vendra à Anaïs, qui s'assure de réussir l'examen de sa vie. Ok, on connaît leur deal. Jérémy risque gros s'il est dénoncé, et il tue Anaïs. Peut-être qu'il l'a pas supporté, surtout s'ils avaient une histoire ensemble. Et si son overdose était un suicide? Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Si elle le dénonçait, lui, elle se dénonçait aussi, après tout ce qu'elle a sacrifié pour ses études. Capitaine, oui. Voici le relevé du téléphone de Jérémy Collet. La carte grise de sa voiture a été changée il y a 3 semaines, mais le véhicule n'a pas été vendu. Il a été cédé gratuitement. Pardon? Par qui? Hugo Clarin, beau-fils de Berrier. Le soi-disant ami avec qui elle révisait. Merci, Pascal. C'est pas Anaïs qui a acheté les sujets, c'est Hugo qui les a payés avec sa voiture. Anaïs l'a compris et voulait les dénoncer. C'est Hugo qui nous a dirigés vers Jérémy. Vous croyez que c'est Hugo qui l'a drogué? Si c'est le cas, il est en train de finir le travail. Vous allez nous suivre. On sait pour les sujets d'internat et pour Jérémy. Quoi, c'est lui qui l'a tué, alors? Lui, ça m'étonnerait. Vous, certainement. Quoi? On a regardé dans son portable. Il vous a appelé quelques minutes avant la mort d'Anaïs. Et je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tué, Anaïs. Mon portable, je l'avais même pas la soirée. Non, mais j'étais déguisé en infirmière. J'avais pas de poche. Je l'ai confié à Manon. C'est elle qui a parlé avec Jérémy. C'est pas moi, c'est elle. Hugo, il y a le neureux qui m'a demandé de... Vous tombez à point. On va se faire une petite pause, tous les quatre. Allez, vous venez avec nous à l'hôtel de police. Après vous, mademoiselle. J'avais peur qu'elle nous dénonce. Je pensais qu'en lui parlant
Bon, en la payant, enfin, je sais pas. Elle dirait rien. Elle a refusé. Elle a pas eu le temps. Je voulais lui en parler à la fête, mais... Je l'ai pas revue avant que... Enfin, qu'on la retrouve dans l'eau. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai tuée. J'ai profité des sujets, moi aussi. Mais c'est pas moi qui avais le portable de Hugo. J'étais à la fête et... Et j'ai appris qu'Anaïs était dans l'eau en même temps que tout le monde. Je sais pas où est-ce qu'il était, Hugo ni Jérémy. Anaïs avait compris pour votre tricherie. Elle nous en avait parlé quelques jours avant. Alors on a nié. Elle avait pas de preuves. Hugo, il pense toujours qu'on peut tout régler avec de l'argent. Pas vous? Non. Mes parents m'ont pas éduqué avec ce genre de méthode. Et c'est quoi votre méthode? Quand vous avez appris que c'était un meurtre, vous avez pensé quoi? J'ai pensé que c'était Jérémy ou Hugo. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu nous en parler? Bah parce que Anaïs, elle est morte comme ça, j'avais peur que ça m'arrive aussi. Comment saviez-vous que Jérémy est passé à la fête si vous ne l'avez pas vu ni eu au téléphone? C'est lui qui me l'a dit le lendemain quand je l'ai appelé pour lui dire qu'Anaïs était morte. Il n'en revenait pas, il l'avait vue à la fête, bien vivante. Il m'a dit qu'il avait tenté de m'appeler, mais que c'était Manon qui l'avait eu. Et vous en avez parlé avec Manon? Non, elle m'évite depuis 2 jours. Je vous jure que c'est pas moi. C'est pour ça que je vous ai donné le nom de Jérémy. Je pensais que c'était lui. Même ça veut dire que vous allez comprendre pour la tricherie. Je vais pas vivre avec la mort d'Anaïs sur la conscience. Des plombes d'interrogatoire, il n'y en a pas avancé d'un pouce. Et j'ai reçu les relevés bancaires de Jérémy, il ne peut pas avoir tué Anaïs. Merci. Merci. Parce qu'il faisait le plein de sa voiture au même moment à l'autre bout de la ville. Alors c'est soit Hugo, soit Manon. Et on n'a aucun moyen de savoir lequel des deux a commis le meurtre. Il y a l'enregistrement. On l'a écouté, réécouté. Aucune voix, aucun son particulier. Comment il ferait dans vos séries? Mission impossible, saison 6, épisode 10. Barney Collier décortique un enregistrement seconde par seconde pour identifier le meurtrier. Et il trouve le détail qui fait tout basculer. Le labo l'a déjà fait. S'il y avait un truc à entendre, on le saurait. On a que la voix d'Anaïs, le choc du caillou sur son crâne et le sifflement. Rien d'autre. Rien d'autre? Vous avez raison, c'est ça la solution. Venez, il faut qu'on revoie les photos prises pendant la soirée. J'ai trouvé le plus ressemblant. On a vérifié sur les photos. Ils ont porté les comme ça durant la soirée. Vous pouvez les mettre? Et maintenant, on écoute. Allô, police secours, j'écoute. Bonsoir, je m'appelle Anaïs. Allô, mademoiselle? Et là, rien. Aucun bruit. Si Hugo avait frappé Anaïs, on entendrait le bruit des bracelets. Mais là, rien. Non, rien. C'est Jérémy, alors? On sait qu'il était déjà parti. Vous l'avez attaqué par derrière, vous vouliez la tuer. Non. Je voulais juste que... qu'elle appelle pas les flics. Je voulais pas lui faire de mal. Je te jure que c'est vrai. Juste quand je l'ai vue par terre, j'ai cru qu'elle était morte. Alors je l'ai jetée à l'eau. Tu l'as tuée? Et Jérémy, c'est vous qui l'avez droguée. Et vous avez caché le portable d'Anaïs dans sa voiture. Gilles, la 2, s'il te plaît.
Monsieur Medeiros. C'est fini. Il est avoué ? C'était pas Berrier. C'était une étudiante. Elle avait triché à l'internat et Anaïs voulait la dénoncer. Elle l'a tuée pour ça. Alors c'était pas à cause de son travail ? Non. Tout est parti de l'examen. Même si vous aviez pu lui donner plus d'argent, ça n'aurait rien changé, malheureusement. Tenez, on a récupéré ça chez votre fille. Je pensais que vous voudriez le récupérer. Gilles, tu peux accompagner monsieur. En fait, Doucet veut vous voir. C'est au sujet de ça. Bah ouais. Assieds-toi. Elle a compris que je voulais tout arrêter. Je te laisse voir par toi-même. Elle doit rendre un rapport à la fin de son stage. Alors, je lui ai demandé de prendre quelques notes tous les jours sur ses impressions pour qu'on en discute. Être flic, c'est marcher en permanence sur la frontière de la légalité. Simplement parce qu'on doit traiter avec ceux qui sont du mauvais côté. Si la fin ne justifie pas les moyens, la justice mérite quelques écarts. Lis la dernière, c'est ma préférée. Au final, chacun est seul face à ses responsabilités. Elle a un sacré don d'observation, ta fille. Elle percute vite et bien. Elle a compris que tu faisais la part des choses. Même en interrogatoire. T'étais au courant pour l'audition de Berrier ? Kader. C'est mon hôtel de police, quand même. Oui, content que ça t'ait plu. Non, non, je suis d'abord près de la voiture. Tu peux me rejoindre, s'il te plaît. Je me fous qu'il soit tard, c'est un ordre qui vient d'en haut. C'est quoi cette histoire ? Si c'est encore une de tes blagues ? Je voulais voir la vie d'un flic la nuit. Mais je te préviens, pas de cadavre ni de scène de crime. Mais des coins, disons, spéciaux. Mes coins à moi. Pour de vrai ? C'est Doucet qui t'a demandé, il est d'accord ? Au final, chacun est seul face à ses responsabilités. Tu te rends, Giro ? On voit la musique. Allô, papa ? C'est moi.